Les marchandises dans la ville. Toi, tu vas venir avec moi. Et moi qui rêvais que j'allais pouvoir dormir. Voyons, Carmen, si je t'ai parlé trop durement, je t'en demande pardon. Faisons la paix. Non. Tu ne m'aimes plus alors? Ce qui est sûr, c'est que je t'aime beaucoup moins qu'autrefois. Je veux être libre et faire ce qui me plaît. Tu es le diable, Carmen. Oui. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? À quoi penses-tu? Je me dis que là-bas, il y a un village. Et dans ce village, une brave vieille femme qui croit que je suis encore un honnête homme. Une brave vieille femme? Vraiment? Oui, ma mère. Ta mère? Eh bien, tu ne ferais pas mal d'aller la retrouver. Carmen, si tu me parles encore de nous séparer... Tu me tuerais peut-être. J'ai vu plusieurs fois dans les cartes que nous devions finir ensemble. Tu es le diable, Carmen. Mais oui, je te l'ai déjà dit. Thank you.
J'avais raison de ne pas me fier aux renseignements de l'Hylas Bastia. Nous avons aperçu trois douaniers qui gardaient la brèche et qui la gardaient bien, je vous assure. Savez-vous les noms de ces douaniers? Certainement, nous savons leurs noms. Il y avait Eusebio, Pérez et Bartolomé. Eusebio, Pérez. Et Bartolomé. N'ayez pas peur, Don Caillou. Nous vous en répondons de vos trois douaniers. Carmen! Oh, toi, tu vas nous laisser tranquille avec ta jalousie. Hein? Nous n'avons pas de temps à perdre. En route, les enfants! Quant à toi, je te confie la garde des marchandises que nous n'emporterons pas. Tu vas te placer là, sur cette hauteur. Tu y seras à merveille pour voir si nous sommes suivis. Dans le cas où tu apercevrais quelqu'un, je t'autorise à passer ta colère sur l'indiscret. Nous y sommes? Oui, patron! En route, alors! Ici? Oui, pile à l'endroit, n'est-ce pas? Ils viennent de partir. Mais je connais leurs habitudes. L'un des leurs doit être en sentinelle. Je ne suis pas facile à effrayer. Dans ce cas, alors je vous demanderai la permission de m'en aller. Enfin, si ça vous fait rien, j'irai vous attendre à l'auberge qui est au bas de la montagne. C'est ça. Allez m'attendre. Que tous les saints du paradis vous soient en aide, alors. Thank you.
Je ne me trompe pas. C'est Don José. José, José. Que fait-il? Il arme sa carabine. Il ajuste. Il fait feu. Oh mon Dieu, je t'en présume de mon courage. J'ai peur. J'ai peur. Que voulez-vous? Et tout était fini. Qui êtes-vous? Répondez. Et là, doucement. J'ai pour métier
Regarde-toi, Carmen, je suis là de souffrir. En route, il faut partir. En route, you
Thank you.
Qu'avez-vous donc fait de la Carmencita? Je ne la vois pas. Nous la verrons tout à l'heure. Escamillo est ici. La Carmencita ne doit pas être loin. Ah, c'est Escamillo maintenant. Elle en est folle. Et son ancien amoureux, José, sait-on ce qu'il est devenu? Il a reparu dans le village où sa mère habitait. L'ordre avait même été donné de l'arrêter. Mais quand les soldats sont arrivés, naturellement, José n'était plus là. En sorte qu'il est libre? Oui, pour le moment. Je ne serais pas tranquille à la place de Carmen. Je ne serais pas tranquille du tout. Thank you.
Tutti matò, tutti matò, tutti matò.
qu'à toi. Pour que tu t'en ailles, ta femme entre ses bras, rire de moi. Hey!